Sophie Handler en tête au sol. Alors qu'il restera ensuite Marlène Perron, encore une concurrente, oui. La dernière de la finale du sol avant que le podium soit joué. Et Cédric Guy est en tête de la barre fixe au moment où Florent Marais. Celui qui pourrait bien l'inquiéter. Eh oui. Regardez deux lâchés spectaculaires. Et c'est par-dessus la barre, carpé ouverture sur le Kovacs. Et on recommence cette fois groupé, bien enchaîné. Stander, jambes serrées. Endo, jambes écartées. Tout un travail proche de la barre. L'engager, la dislocation et le grand tour dorsal. Un passage un peu obligatoire dans la combinaison, le changement de face et attention maintenant l'accélération avant la sortie. Et c'est pile chute aussi pour le jeune Marais. Alors là, il y aura bagarre au sommet entre Cédric Guy et Florent Marais. Il peut-être passer. Il y a encore une petite place au-dessus de 9,60. Ah, ça joue serré sur les derniers passages. Et le regard fixé sur le tapis pour stabiliser parfaitement la chute. Comment il agit sur sa barre pour s'élever au-dessus et faire ce salto.